maintenant, ce n'est pas ça la déclaration. Va du volaille pendant 12 et 17 heures. Ce qui va dire bon, on te reprend. Et si ma carte, il y a membre. Partie de s'il vous plaît. Tous en bas tout. Partie de l'émission, tous en carte. Imaginez-vous, ma jeune homme, ma chômeur. Tous en bas de votre haute, ma moca. Ma chômeur, ma mise en temps, ma classe. Il faut que la ministre en ciment. Ma déjà en ciment, pour ton mandiaka. Au moins, il est là. Sans solution, mon anité. Coca-Cola. Combattantes de la liberté, je vous salue au nom du bureau de la Convention démocratique du Congo. Il s'agit bien de la Convention démocratique du parti UDPS Tshisekedi, Parlement du peuple. Aujourd'hui, 29 janvier 2022, c'est un grand jour pour l'UDPS Tshisekedi Omulumba. Un grand jour de la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur. Le Seigneur qui s'est manifesté à son peuple de l'UDPS. Ainsi, permettez-moi d'envoyer ces chants à l'Éternel. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Répétez avec moi. Oh. Christus vincit, Christus regna, Christus impera. Ça signifie que Jésus-Christ a pris possession de l'UDPS Tshisekedi Omulumba. Amen. Grâce au Seigneur notre Dieu, grâce à l'Éternel. Les enfants de l'UDPS se retrouvent aujourd'hui rassemblés dans ce site historique, dans ce temple de la démocratie. Et cet événement coïncide malheureusement avec le souvenir douloureux qui revient à notre esprit, parce que dans les 48 heures, nous célébrons le 5e anniversaire de la mort de notre martyr, de notre héros national, Dr Étienne Tshisekedi Omulumba. Wow! Je vous invite à vous lever pour garder une minute de silence en son honneur. À sa mémoire. Notre défunt papa, docteur Étienne Tshisekedi Omulumba, avait versé des larmes sur ce site qu'on appelait Bercy. La première fois, c'est quand il m'a dit au téléphone, il était encore. Oui, je disais qu'il avait versé des larmes pour la première fois en 2015, quand il était encore à Bruxelles et j'étais son directeur de cabinet, quand il m'a dit au téléphone, Monsieur Victor, j'ai décidé de déloger mes enfants qui habitent Bercy pour que j'y installe le siège du parti UDPS. Mes enfants n'ont pas d'abri. Moi, je n'ai qu'une mince résidence où je ne pouvais pas les loger tous. Mais les circonstances m'obligent. Les circonstances m'obligent à les loger ailleurs. J'ai déjà envoyé la garantie pour
pour qu'il puisse déménager. Et il versa des larmes avec lui. La deuxième fois, c'est quand dans les nuits de 19 au 20 septembre 2016, vous vous rappelez, on a calciné nos martyrs, des vaillants jeunes gens qui gardaient ces sites, ils ont été calcinés dans ce monument. Et vous vous rappelez que nous avons eu beaucoup de peine à rassembler les moyens pour organiser des obsèques à leur digne, et digne de leur rang. Si aujourd'hui, papa, notre père, revenait à la vie et qu'il trouvait le site déserté par une grande partie des enfants qu'il avait réunis, il serait mort deux fois. Mais hélas, l'Éternel a trouvé la solution parce qu'il nous réunit aujourd'hui sur ce site symbolique. Nous disons donc que cette journée, pour nous, c'est une journée de l'unité du parti. Puisque le temps nous presse, je vous rappelle que le fondement de notre parti, l'idéologie que nous prenons nous tous, les principaux objectifs et les méthodes à suivre ont été consignés dans ce que nous appelons les statuts, le règlement intérieur, les codes, ainsi bien que le projet de société du parti que nous appelons le peuple d'abord. Et ce parti, UDP Tshisekedi, prône un État, c'est un parti de droit, et il prône un État de droit. Parce qu'aujourd'hui, nous tous réunis, nous allons entendre la clôture du dossier disciplinaire ouvert à charge de l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound. On dit en latin, posita causa sequitur effectus, sublata causa sublatus effectus. Chaque fait, chaque geste, chaque action que vous posez a ses effets. Mais si vous enlevez la cause des effets, vous enlevez aussi les effets. C'est ça que ça voulait dire. Qui sème le vent récolte la tempête. Et la tempête vient balayer le sursaut de batailleurs. La tempête peut emporter celui qui l'a allumé. Nous ne sommes pas prophètes de malheur. Nous allons passer la parole à notre commission nationale de discipline qui est composée de 9 censeurs semblables aux 9 juges de la Cour constitutionnelle. Nous allons donc les inviter à monter sur le podium pour pouvoir vous donner lecture du rapport de l'audience qu'ils ont
organisé. Malheureusement, en l'absence de l'intéressé qui était régulièrement invité. Aux membres du cabinet du chef de l'État, honorables députés, honorables sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres, chers membres du parti, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, l'audience publique nous ouvre pour la deuxième fois dans le cadre des travaux de la seconde convention démocratique du parti, CNDP en sigle, inaugure une nouvelle ère au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Du fait qu'elle rappelle aux membres la décision numéro 061-UDPS-BP-UDPS-2011 du 9 septembre 2011 du fait président fondateur du parti, M. le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, qui avait créé la Commission nationale de discipline ad hoc du parti avec comme mission de veiller au respect des biens et des textes du parti et d'assainir les mœurs. Et aussi, elle nous permet d'inscrire d'une manière indélébile nos noms dans les annales du parti, et ceci jusqu'à la création de la Convention démocratique du parti qui, en son sein, la Commission nationale de discipline avec les mêmes attributions. En effet, pour votre gouvernement, le socle de la création de notre parti, l'UDPS, demeure le respect des textes. Ceci préfigure l'état de droit dans lequel nous sommes au-dessus de la loi. Donc, dans ce contexte, les membres de l'UDPS se font être un modèle de notre société. Une élite engagée pour la bonne gouvernance. Mais comment comprendre dès lors qu'un membre de l'UDPS puisse fouler au pied pour les intérêts égoïstes ses propres dispositions statutaires et réglementaires? Lui qui, depuis le début de ce combat, est demeuré très critique à l'égard de tous les anciens dirigeants de ce pays. C'est ici une opportunité pour nous de féliciter et de remercier encore une fois et sincèrement le feu président fondateur du parti, le docteur Étienne Tshisekedi, d'une heureuse mémoire pour nous avoir doté le parti d'un puissant instrument d'éducation et de formation qui est la convention. La Commission nationale des disciplines, qui va trouver notre très haute considération. Distingués invités, l'avenir de l'UDPS réside dans le fonctionnement harmonieux de ses organes, non dans les conflits perpétuels des hommes, des conflits souvent très nés des chocs des ambitions, des luttes de positionnement et des divergences d'opinion mal exprimées et mal gérées de certains de ses membres du parti. L'UDPS exige à chaque membre, comme souligné plus haut, l'ouverture à autrui, le dialogue, la tolérance et l'acceptation du partenaire sans pour autant oublier le principe de la contradiction qui construit notre parti. Car elle est convaincue que la participation de tous à l'œuvre commune renforce la solidarité, l'union, la cohésion, l'attente entre les membres et permet l'échange d'expérience dans une perspective de complémentarité.
c'est de gauche même de la poison dont le parti a besoin afin de mobiliser les énergies pour la tête de ses objectifs. C'est dans ce sens que le parti va permettre à chaque membre d'enrichir sa personnalité. En fait, par souci d'efficacité et d'un sentiment de la responsabilité, la Commission nationale des disciplines lance comme slogan rétablir le parti avec les personnalités responsables selon les critères statutaires et dans la restauration des vertus démocratiques. La Commission nationale des disciplines se tiendra toujours à l'écart de coopérer avec le mal pour ne pas demeurer, pour ne pas dénaturer sa mission. UDPS viva! UDPS viva! Maintenant, je vais vous donner la quintessence de la sentence. Vu les statuts du parti tel que modifié, complété et corrigé à ce jour, spécialement en leurs articles 30 et 34 relatifs à la Convention démocratique du parti, en sigle CDP, ainsi que les articles 65 et 66 relatifs au régime disciplinaire du parti, vu le règlement intérieur du parti tel que modifié, complété et corrigé à ce jour, spécialement en ces articles 64 et 68 relatifs au régime disciplinaire, vu le règlement intérieur de la CDP, Convention démocratique du parti, spécialement en ces articles 22 et 28, vu le règlement intérieur de la Commission nationale des disciplines, spécialement à ses articles 30 et 38, attendu les multiples plaintes déposées à la Commission nationale des disciplines à charge de M. Kabound Akabound Jean-Marc, escroquerie dans la vente des cartes, escroquerie dans la vente des cartes de membres, de corruption et d'extorsion dans les nominations au poste de l'État, violence physique et verbale sur les combattants, etc. Vu les deux invitations lancées à M. Jean-Marc Kabound Akabound en date du 14 et 18 janvier lui notifiant les manquements ci-après, en date du 8 mars 2019, M. Kabound Akabound s'est présenté à Kingakati et s'est autoproclamé informateur, en fin de quoi il signa le communiqué conjoint FCC Cash, était au FCC qui n'était ni un regroupement ni un parti politique reconnu par la CENI, et de ce fait, il empêcha le président de la République nouvellement investi d'appliquer l'article 78, alinéa 3 de la Constitution. Cette supercherie est à la base de la crise institutionnelle que le président de la République a dénoncée en octobre 2020. Deuxième manquement. En date du 12 janvier 2022, sur l'avenue Poids Lourd, à Kinshasa, M. Jean-Marc Kabound Akabound a intimé l'ordre à sa garde rapprochée de se saisir d'un élément de la garde républicaine, lequel a été désarmé et publiquement humilié. Un acte de violence de M. Jean-Marc Kabound Akabound a drainé une clameur publique et indigné l'opinion tant nationale qu'internationale. Dans le chef de M. Jean-Marc Kabound Akabound, l'on peut se demander s'il a conscience de la dignité de ses hautes fonctions, tant à l'Assemblée nationale qu'au sein du parti. S'il s'est attenté à la personne de la garde républicaine, c'est attenté à la personne du président de la République. Il n'en était pas à son premier acte d'agression contre la même garde républicaine, si l'on se réfère à la vidéo qui retraçait la séquence de son agression commise au portail de la résidence du chef de l'État à la cité de l'Union africaine. Compte tenu de ce qui précède, nous trouvons en lui un véritable délinquant politique et un récidiviste avéré et non un homme d'État. Et encore moins un haut cadre du parti qui prône les valeurs comme l'UDPS de Tshisekedi. Ce comportement viole l'article 2 du code d'éthique des membres du parti, l'article 10 alinéa 5 et l'article 65 alinéa 3 et 5 des statuts du parti. Constatant son refus de comparaître
la Commission nationale de discipline a examiné et pris en délibéré les faits lui reprochés ci-haut, conformément à l'article 38 du règlement intérieur de la Commission nationale de discipline. Je répète la déchéance de M. Jean-Marc Kabunda Kabunda de toutes ses fonctions au sein de l'UDPS Tshisekedi, conformément aux articles 64 alinéa 5, 65 alinéa 10 et 11, 66 alinéa 4 des statuts du parti. Deuxième sentence. Et il est frappé de l'interdiction d'engager le parti, d'écrire ou de parler en son nom. Fait à Kinshasa le 21 janvier 2022 pour la Commission nationale de discipline, le vice-président Thierry Nyeli Ngaluya, le secrétaire rapporteur Emmanuel Mouloumbakaya. Je vous remercie beaucoup. Portant remplacement des membres du parti au sein du bureau de l'Assemblée nationale. La convention démocratique du parti CDP en sigle, convoquée et siégeant en ce jour en sa deuxième assemblée plénière de la quatrième session extraordinaire, vu les statuts du parti tels que modifiés, complétés et corrigés à ce jour, spécialement leurs articles 30, 31 al 3 et 12, 34 al 2, 64 al 4 et 6, vu la résolution numéro 001/UDP-CDP/2022, approuvant la sentence numéro 001/UDP-CDP/CND/2022 du 29 janvier 2022, portant déchéance de mandat et exclusion du parti de M. Jean-Marc Kabunda Kabunda, considérant que les postes au sein du bureau de l'Assemblée nationale reviennent aux partis politiques et non aux individus, considérant qu'il y a lieu de prendre acte de la démission volontaire et unilatérale de M. Jean-Marc Kabunda Kabunda, de le décharger en conséquence et de pourvoir sans délai à la vacance ainsi créée par l'intéressé, vu l'urgence et la nécessité, l'Assemblée plénière a adopté la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Les députés nationaux de l'UDPS Tshisekedi, à travers leur groupe parlementaire, sont chargés de prendre contact avec le bureau de l'Assemblée nationale en vue de remplacement de M. Jean-Marc Kabunda Kabunda au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale par un autre député national du parti après concertation au sein du parti. Article 2. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée plénière de la Convention démocratique du parti. Fait à Kinshasa le 29 janvier 2022, le secrétaire rapporteur adjoint Aristide Boulakali, le président du bureau Victor Wagwenda Bukassa. Honorables députés nationaux, vous êtes dans la salle. J'aimerais vous entendre. Honorables députés nationaux, le parti vous donne la grande responsabilité de faire appliquer la présente résolution. Qui sont dans la salle? Qui sont pour l'adoption de cette résolution? Et bientôt, nous connaîtrons le nom du premier vice-président de l'Assemblée nationale, siège de l'UDPS Tshisekedi. Vu les statuts de l'Union pour la démocratie et progrès social, spécialement en ses articles 30, 31, alinéa 3, vu la résolution numéro 1/UDPS/CDP/2022 du 29 janvier 2022 portant adoption de la sentence de la Commission nationale de discipline numéro 001/UDPS/CDP/CND/2022 portant exclusion de M. Jean-Marc Kabunda Kabunda, considérant l'impérieuse nécessité de combler le vide créé à la tête du parti à la suite de la déchéance de M. Jean-Marc Kabunda Kabunda, vu l'urgence et la nécessité, décide. Article 1er. M. Augustin Kabuya Tshibuka,
Nakosenga bino tozala na bolingo ngai nayebi pourquoi naza ko insister na yango naza secrétaire général na bino naza secrétaire général ya ba oyo balingaka ngai na ba oyo balingaka ngate Naza ko remercier l'équipe Oyo ya ba membre nyonso ya ba structure nyonso ya parti ndenge to sangana ki awa na kosenga bino boye na lingite na mona combattant moko aza koluka ko régler combattant mususu compte biso nyonso toza bana Félix Tshisekedi Na baoyo bazalaki contre ngai. Na baoyo bazalaki pour ngai. Bango nyonso naza ko tolérer bango, naza ko supporter bango. Na lingite à partir ya semaine prochaine na mona mutu aza ko attaquer moninga oyo azalaki contre secrétaire général. Toza na église te. Oyo bat nyonso bakoloba amen. Soki mutu aza contre secrétaire général à justifier pourquoi ils ont contre secrétaire général. Ceux qui ont l'ingi secrétaire général, pas tolérer et peu que ils ont pour secrétaire général. Il reste à remercier Bande Konabisonyon Sobasali Moussala Awa. Et puis, tous les secrétaires généraux adjoints, tous les secrétaires nationaux, les secrétaires nationaux adjoints, Ligue des femmes, Ligue des jeunes, École du Parti, Égalité hommes et femmes, puisque Toyoka Namalamu, Ngaï Moko, Naza membre de la Convention démocratique. Nakanisi, Mikolo Koya, Tokofeye Mingi, Nabaliste Yaba composante, au Bazaba membre de la CDP. Toyoka Namalamu, Naza pour remercier Biro, au Sali Moussala Awa, Naza pour remercier par honorable député, par ministre, par mandataire, Zambe apambo la bino. Tokani malam. Tokani malam. Boko senge langa pe pan zambe apesanga mayele na bwanya pona koka kokanda. Mungumba mungumba ya ide pes. Merci Et ça, c'est un peu comme ça. Parce que tu as dit que tu bon, mais pour le moment, et ça, la place à Zali, nous avons appelé ce bonheur parce qu'il y a un mécanisme qui est là. Oh, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Parti, secrétaire général, comme au ministère de Bouya, nous avons appelé ce bonheur à Moussou. Oh, il y a un peu de temps. Et il y a un peu de temps. Je suis ici, ce qui n'a mis. Cité Nazali na bosolo bosolo solo donc solo et l'ingoloba solo vérité réparation réconciliation bisot aux ali ba imboka ba de pes auto banda qui déjà côté le mela makambo ya Jean-Marc Kabundo banda le 25 juin 2019 et tokenda qui na mozole a été Tshisekedi pour dire que
l'IDPS doit être restructuré parce que to monaki kendeko Jean-Marc Kabundu era akeyi ko kosa mokonzi ya mboka ke apesa un mandat spécial ezala ki déjà intention ya mabe. Parce que na kati ya statut ya IDPS to prévoir na article 26 soit que mokonzi ya IDPS o aza voté na congrès a komi empêché comme c'est le cas ya président Félix, élu président de la République, a commis à empêcher, au vu de la constitution de Mboka Nabiso, directoire composé de Batoumi Satou, président de la Convention démocratique du parti, secrétaire général, na président SEP, Bango Misatou Ndeba Kokamba parti. Mais Jean-Marc Namaele Mabe, a kekuluka Mukande, père Mokonzi Mboka, a cossié le kola na loba mikolonyonso, le kola nyoka, a kene kokosa Eva, a zui Mukanda wana aye. Pona intérêt na emoko, non pas pour construire l'IDPS. Preve monani, pendant 3 ans, toza na siège à l'IDPS, biso ba mususu, to bande kokota lisusu awate, depuis période wana, depuis 2019, tala lokola siège ezali, place akosuba ezate, mégaphone ezate, mouinde ezate, kiti ezate, eloko ezate, pendant 3 ans de règne, pendant que yemoko millionnaire, il a des maisons et des. Donc, na bouzouya nenge wana. Donc, bon abisso, oyo bato tolobaki keno, ndeko nabiso Jean-Marc Abunginzela, to moni ke tozaki na raison, et la raison vient de se faire voir aujourd'hui. Donc la raison vient de se faire voir. Ozomona, la Commission nationale de discipline a pris cette résolution et l'Assemblée, aujourd'hui à CDP, session haut extraordinaire, to vu acte que Jean-Marc, Azali ndeko nabiso congolais, Azali Moimboka, Azali. Azali na makoki ya kosala musala mususu ke conduire l'IDPS. Totondo lié malana de avenir à malamu yena libota na ye mais pona makambo ya IDPS biso ba mususu oyo totika na sikoyo tokomi na angele. Donc moye ya kosala biloko oyo esengeli te toyebi ke commission nationale de discipline ezali wana efongoli miso mpona kotala makambo ya mutuna mutuna kati ya parti na biso. Voilà sentiment toza nango ya unité ba installer lelo. Secrétaire général Augustin Kabuya, Chilumba, qui dirait recevait les ordres de Jean-Marc Kabundu. Parce qu'il ne travaillait pas seul. Aujourd'hui, désormais, à Kobanda Kozuaba ordre, il y a le président Wakwenda qui est le préséant de la directoire, n'est-ce pas? Avec le concours et le conseil, il y a le président Yasef qui est Jacques Ben Sabani, Bango Misatu, Bako Kamba parti, dans le lingue article 26 et lobby directoire de Foué Kamba parti. Voilà ce qui est notre fierté pour ce soir. Ngamoko na Bengami na Komboya, c'était Paul Prince Kutundwa. Nazali, premier vice-président, il y a Fédération, il y a Moamba, et si siège à IDPS, Ezali. Ils sont déjà organisés manifestations. 80% des combattants Bazawa, Bazabana, Moamba. Voilà ce que nous pouvons dire à tous les Congolais que l'IDPS se bat, pas pour l'IDPS, mais l'IDPS se bat pour le pays. Quand ça ne marche pas dans ce pays en ce moment, parce que le président de la République doit gérer avec l'IDPS, c'est l'IDPS qui est responsable. C'est ça. C'est ce que nous disons. Si ça ne marche pas, c'est l'IDPS. Nous sommes obligés de réarranger rapidement les partis pour que les mois qui viennent, les changements puissent être palpables. C'est ça ce que nous promettons et nous sommes capables de le faire. Mon sentiment par rapport à la sentence ou aux sentences de la commission de discipline du parti, c'est un sentiment de satisfaction. Parce que l'IDPS, c'est un parti qui a prôné la légalité et le respect de l'état de droit pendant longtemps. Et c'est normal qu'on puisse se débarrasser des membres qui voulaient se considérer comme les maîtres de la mort et de vie au sein de l'IDPS. Pour moi, j'ai suivi religieusement la motivation des 2 sentences de la commission de discipline et pense que ça reflète en tout cas, les sentiments de tous les membres de l'IDPS. Je pense qu'on a été avec vous ici, dans cette salle, et vous avez suivi la réaction de l'Assemblée quand la Commission a prononcé ces sentences-là. Pour moi, je ne peux que me réjouir. Et c'est l'occasion pour l'IDPS de prendre un nouvel élan. Et c'est un message qu'on a lancé aussi pour les nouveaux dirigeants de l'IDPS qui viennent d'être consacrés. Moi, je pense qu'ils ne doivent pas se prendre comme des rois dans une jungle où il n'y a que les rois qui décident pour la mort et pour la vie de ses membres.
Moi, je pense que actuellement, c'est ce que nous pouvons considérer. D'abord, de reconnaître que c'est un grand jour aujourd'hui. Parce que des moments pareils, ça faisait longtemps qu'on ne les vivait plus. De retrouver tous les membres du parti, toutes tendances confondues, toutes générations confondues, se retrouver pour pouvoir marcher ensemble pour le bien du parti. Bon, ce qui vient d'être arrivé concernant notre compagnon Jean-Marc Kabound, bon, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de voir quelqu'un avec qui on a lutté ensemble. Parce que Jean-Marc Kabound, c'est quand même un combattant. Moi, personnellement, je l'ai connu. Je l'ai connu quand il était président fédéral de Tanganyika. C'est un combattant. Il y a des fois, quand on l'a arrêté là-bas, nous, ici à Kinshasa, moi personnellement, on menait les démarches pour qu'il soit libéré. Mais il se fait que tout le monde a constaté que, avec sa gestion du parti, il y a eu beaucoup de choses. Il y a surtout le fait que on n'a pas reconnu le mérite de ceux-là qui avaient mené le combat avant. On a cru que c'est qu'on est arrivé et on arrive, le parti arrive au pouvoir. On croit que c'était ça le début de l'UDPS. Alors que en arrivant au pouvoir, c'était les résultats, la conséquence, c'était le résultat de beaucoup de sacrifices. Il y a des gens qui ont beaucoup lutté, qui se sont sacrifiés. Il y en a qui sont morts. Mais on a constaté que pendant un temps, c'est comme si tous ces gens-là étaient oubliés. Vous comprenez? Et c'est, je crois que c'est ce qui a fait que, à un moment donné, on a cru qu'on pouvait tout en oubliant les autres. Bon, vous savez, l'UDPS, c'est un parti de Dieu. L'UDPS, c'est un parti de Dieu. Et ce qui est arrivé, bon, on ne le souhaitait pas. Franchement, je ne le souhaitais pas. Mais c'est arrivé. Le constat est fait. Et ce qui est arrivé, c'est arrivé. Bon, c'est à chacun de nous maintenant de tirer les conséquences. De ne pas chercher à revivre les mêmes histoires. Qu'on tire des leçons pour pouvoir maintenant là partir sur de bonnes bases. Pour que demain, l'UDPS retrouve ses marques. Et que demain, l'UDPS aille aux élections renforcées, unies, pour que nous puissions avoir la majorité au Parlement et permettre à notre président, Félix Tshisekedi, de diriger le pays afin de mettre en œuvre le projet de société de l'UDPS. Augustin Kabouya, c'est un combattant, on se connaît, on a mené le combat ensemble, et c'est un grand combattant. Moi, j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui, et tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'avec la charge qu'il a aujourd'hui, il n'a qu'à tirer les leçons, comme je l'ai dit, les leçons de ce qui vient de se passer pour pouvoir rectifier le tir afin que l'UDPS retrouve ses marques. Et retrouve ses marques parce que on ne se moque pas de la base de l'UDPS. On ne se moque pas de la base de l'UDPS. L'UDPS, d'abord, la base. Sans la base, l'UDPS n'existe pas. L'UDPS n'est pas comme tous les autres partis. L'UDPS, c'est un parti où c'est la base qui fait la loi. Etienne Tshisekedi avait toujours dit, depuis 1990, que le flambeau de la lutte de l'UDPS n'est pas entre les mains des fondateurs, ni entre les mains des cadres du parti. Mais ce flambeau est entre les mains de la base. Et que c'est cette base qui juge et que c'est elle qui décide. Et chacun des cadres doit avoir ça présent dans son esprit pour pouvoir mener cette base afin qu'elle se retrouve pour que l'UDPS puisse trouver son compte dans les jours à venir.